Donc là, l'exercice, le dernier exercice, c'est que vous me fassiez part de ce que vous retenez, des principales choses que vous retenez. Vous pouvez faire pour limiter cette propagation des maladies de bois et améliorer votre taille, améliorer votre production. Donc en fait, en quelque part, c'est des bonnes résolutions, quoi. En fait, on va pouvoir les lister, ces bonnes résolutions. Je vais vous aider, mais le mieux, c'est que ça vienne de vous quand même. Du coup, que ça sorte un peu de vous, que ce soit un peu plus participatif. Ah ouais, ok, suivre le flux de sève. Mais c'est... Donc, si je mets suivre le flux de sève, c'est presque contemplatif. Suivre, dans suivre, on pourrait penser conserver, quoi. Conserver le flux de sève, alors comment tu fais pour conserver le flux de sève? Essayer de le conserver. Il faut être capable de le voir déjà. Voilà, c'est-à-dire on groupe les plaies sur le dessus. Grouper les plaies. Les plaies sur le dessus. Ok. Ok. Ah oui, ok. Donc moi, j'aime bien marquer bannir les grosses plaies. Ou alors bannir, en fait, c'est peut-être un peu... Non, je vais pas marquer bannir, c'est pas bannir, c'est pas ça que je veux bannir. C'est éviter, ouais. Ouais. Ou alors, ouais, éviter. Éviter les grosses plaies. Bannir les plaies de taille... rase. Ouais, ça. Ouais. Garder du travail, qu'est-ce que tu dis? Pour les pamprages. Alors ça veut dire quoi? Moi les pamprages, je veux bien comprendre les pamprages. Ah oui, les couronnes, bon, voilà. Garder les couronnes, c'est ne pas faire de plaie taille rase. Mais ça veut dire derrière que les pamprages. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi ce que. Donc prévoir les pamprages en conséquence, et donc du coup, moi pour moi c'est plutôt ce que j'aimerais que vous amener à dire, c'est qu'est-ce que va, comment, est-ce que vous allez entrevoir les pamprages comme une quelque chose de différent, peut-être quelque chose de plus, encore plus intéressant et d'important en quelque part. C'est ça que j'ai essayé de vous dire. Les pamprages. Prépare la taille. Les pamprages préparent la taille, ça c'est bien. Et donc ça veut dire que les pamprages, il devient. Moi j'aime bien la notion de qualité. Et cette notion de qualité, elle est aussi la notion de rendement. En quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les pamprages, c'est un investissement. Rentable. Et là, je l'entoure parce que ça a suffisamment fait polémique dans cette formation pour qu'on puisse réinsister un petit peu plus, quoi. Mais c'est pas une polémique. On peut dire, et pas en priorité, les jeunes plants, ça c'est sûr. Enfin, ouais. Ça c'est sûr. C'est évident que les jeunes plants, il faut les prioriser. Bon, est-ce que c'est vraiment sur les bonnes résolutions? Pourquoi pas? En fait, tout ça, c'est relié à l'épamprage. Ok. Suivre le flux de sève, grouper les plaies sur le dessus, éviter les grosses plaies, bannir la plaie taille rase, tailler les... Ça... De sarment sur... Tu disais quoi? Enlever les chicots, raser les chicots. Entre parenthèses, je vais marquer recouvrement. Ok. Il y avait une notion qui était vraiment très importante, qui va aussi avec les pamprages. Ouais, la vigueur. Adapter la charge à la vigueur. Ouais, ça c'est vachement important.
à répartir, donc répartir sur le rang. Donc utiliser le rang quelque part. Utiliser l'espace sur le rang, ouais, ça je ne le marque pas souvent et j'aime assez bien. Ça je vais le mettre en bleu. Utiliser. Oui. Dispo sur le rang. Donc que ce soit une baguette ou un courson, on a toujours intérêt à bien sûr aller jusqu'à l'autre pied et à répartir. Ouais, ça c'est bien. Et j'avais aussi entendu accepter l'allongement là. C'est, pour moi c'est aussi encore en bleu. Accepter l'allongement, ça veut dire accepter l'allongement, ça veut pas dire accepter n'importe quel allongement, ça veut dire maîtriser l'allongement. Moi, je pourrais marquer maîtriser l'allongement si vous voulez. Mais maîtriser et accepter, pour moi, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que au lieu de faire quelque chose d'un peu aléatoire, si c'est toujours notre côte qui fait l'allongement et qu'on a toujours le premier effraiment sur le dessous, on est à l'allongement minimal en fait. On ne peut pas faire moins. Donc, si on fait ça, on maîtrise l'allongement. Vous comprenez ? On ne peut pas faire moins que ça. Autre chose ? Ou vous vous sentez bien avec ce que vous avez là ? Mais ça peut. C'est-à-dire, tailler un œil franc, ça veut dire quoi ? Pour moi, ça ne veut pas dire tailler un œil franc. Ça veut dire... sur la taille... Donc, alors là, il faut contextualiser un peu quand même. Donc, sur la taille... attends, ça, je ne vais pas le mettre... Bon, je me fais... On verra. Sur les tailles... si je mets taille courte, vous comprenez ? Taille courte... Tailler à un œil franc permet de limiter l'allongement, mais pas seulement, et permet le recouvrement. Entre parenthèses, réserve optimisée. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vécu ça comme ça, mais alors moi, depuis que j'ai compris que la clé, c'était le stockage des réserves, je pourrais presque faire une grande accolade et me dire que l'axe de la viticulture, c'est l'art d'arriver à donner à la plante et au raisin. C'est-à-dire que stocker des réserves et gérer son stock de réserves dans le bois, c'est ce qui nous permet quoi ? C'est ce qui nous permet de se dire qu'il faut suivre les flux de sève, qu'il faut grouper les plaies, qu'il faut éviter les grosses plaies, qu'il faut bannir les plaies de taille rase, que les pamprages est hyper important, hein, que tailler les réductions de sarment sur le diaphragme, ben, ça permet peut-être de conserver un peu le flux de sève plus longtemps et donc du coup d'avoir des meilleures réserves. Raser les chicots, ça va permettre de recouvrir. Et donc, si on recouvre, on a davantage de bois, donc on peut stocker davantage de réserves. Si on adapte la charge à la vigueur, on a quand même un cep qui souffre moins. Et donc, on donne à la fois de l'énergie au raisin, mais aussi de l'énergie à la plante pour stocker ses réserves. Bon, je suis en train de vous montrer que ce qui est transversal, c'est le système de stockage des réserves. Et pour moi, en fait, le secret d'une viticulture durable et dynamique, c'est le stockage des réserves dans le bois. Et c'est ça que, juste ça qui n'a pas été suffisamment conscientisé dans la viticulture, je crois. Si j'ai un truc à apporter, moi, c'est ce truc-là que j'ai envie d'apporter, peut-être encore plus que cette idée de taille poussard, soi-disant, il n'y a plus de maladies de bois. Moi, les maladies de bois, je marquerai là très facilement, l'ESCA est notre ami, quoi. Très facilement, ça ne me poserait aucun problème de marquer ça. Vous comprenez ? Dégradation des matières organiques, aggradation des sols, décomposition des bois morts que nous avons créés en faisant des grosses tailles. Je me dis que on n'a pas tant de problèmes que ça avec des champignons qui envoient des toxines et qui font mourir la plante. Ça arrive, mais c'est quand même bien rare. Et c'est quand même mal comprendre les champignons de bois que de penser que ces champignons-là ont tendance à faire ça. C'est pas leur place.
Bon. Vous pouvez prendre ça en photo si vous voulez. On pourrait en rajouter pas mal. Il y a plein de petites choses que moi, je pense qu'on pourrait rajouter. En même temps, si on retient ça, je me dis que